Le service pompier dominicain sauvé la vie 39 rapatriés haïtiens dans bus qui t'a rapatrié aujourd'hui mercredi vers Haïti. Pas aucune victime dans bus tant qui commencé prendre du feu. La police l'ouvre une enquête sur accident ça. Haïtien ça ou t'a vivre illégalement sur territoire dominicain qui est en prison dans localité Haïna. Autorité ou t'a reconduit dans la commune Belader d'après responsable plaidoyer dans Garland Gérald Saint-Ville qui est dans micro Peterson Chéri. Nous apprenons tout gain en enquête qui l'ouvre, nous toucher de ça. Jusqu'à pas entrer sur le territoire haïtien, c'est sous bord dominicain habituellement l'arrêté. Je mettais mon yo directement sur le pont de la guerre en poste social, vous connaissez. Je mets mon yo traversé à pied, barrière là. Si je mets le bon enquête, je regarde qui sous les candidats, ça que nous-mêmes, nous ne pouvons pas au bout, mais nous connaissons effectivement. Pour le moment, côté rapatrié, ça y est. Bon, rapatrié, ça y est. J'ai la veille qui était, bon, j'ai animateur dehors avec mon ministère, comme d'habitude, qui faisait ce côté-là, qui était interrogé pour y aller avec eux. Et eux-mêmes, ils ont été là, ça y est. Ça, nous-mêmes, nous toujours dit au niveau de cœur, pour nous toujours avec visé autorité haïtienne. Pour que l'État dominicain va aussi bon traitement là, avec les gens qui ont rapatrié. Parce que bon, comme de raison pour le plan, c'est ça, c'est ça, j'ai activé ça, mais j'ai l'autre bagage grave en termes de maltraitance, abus, et notre traitement qui est condamné, qui est vraiment inhumain. Ça veut dire, nous-mêmes, nous avons de manière totale pour qu'on révision de. Protocole, d'ailleurs, un protocole qui a pas vraiment été respecté, si on trouvait bon pour nous adapter à la réalité, je veux dire, que dès l'État, on chute ensemble, on réfléchit à un nouveau protocole qui va permettre de respecter le droit mondial et à rapatrier. Le consulat République d'Haïti dans Igroé qui a visé public en général, la compatriote dans la zone Est République Dominicaine en particulier, les portées consulat démenti là hein, par rapport avec des individus mal intentionnés qui a fait circuler sur les réseaux sociaux les messages audio et vidéo qui pas gain aucun fondement et qui pas correspond à la vérité. Consulat a condamné pratique ça et demandé avec population et rappelé que gouvernement République d'Haïti disposait canal officiel pour diffuser message by population haïtienne. Quand cela a profité, occasion ça pour renouveler disponibilité pour travail, pour bien-être à toute communauté haïtienne dans la zone Est République Dominicaine. Pour information à urgence, monde qui est en République Dominicaine, yo capable reler consulat général Igruyan dans 829-729-5891-829-729-5891. Donc, consulat qui démentit information, c'est l'information qui a circulé sur les réseaux qui a qui pas correct hein, d'après ça consulat a fait connaître. Donc, on sait des images qui passaient en Afrique, on le prend lui attribuer là avec Dominicaine, bus fait accident, yo prend yo dit mais comme ça tout haïtien a mourir en République Dominicaine. Donc vraiment même ça dérange. C'est ça qui passé dans l'hôtel Rwanda. Non, c'est pas la film. Non non, c'est pas l'été. Ça qui gagne fait bois son accident bus qui était fait quand était gagné presque une trentaine élèves qui connaît ça qui passé. C'était si je ne m'a cherché ici. Non, c'est pas ici, c'était toujours en Afrique. Oui oui, en Afrique. OK. Le sort parler là, bus c'est côté qui un paquet monde avec des. Oui, 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 oui. C'est oui. Dépassé, mais au point, l'audio, c'est Saint-Domingue, ça a passé. Faire tête haïtien chaud, programme ici. Président Commission Affaires étrangères Sénat, sénateur Yvalier Beauplan et sénateur Cassinenel, dénoncé mauvais traitement haïtien au continuant victime en République Dominicaine. Ils ont dénoncé silence président République Clan gouvernement sous situation difficile ça, côté Dominicain continue à maltraiter haïtien. Sénateur a annoncé avant longtemps, ensemble avec quelques collègues, à bien pour faire une marche pacifique dans Port-au-Prince pour forcer l'autorité. Prend responsabilité au Winchelade.
Image qui sorti sous quelques télévisions dominicaines avec réseaux sociaux sous façon dominicain continue à maltraiter haïtiens qui vivent en République dominicaine, préoccupé commission affaires étrangères Sénat République là. Président commission ça, sénateur Valère Beauplan, qui dit les gain confirmation image ça yo réel, dénoncer mauvais traitement haïtiens yo continue victime en bas mais dominicain. Il n'est pas sérieux dans pays côté son l'état légitime qui a responsabilité pour négocier en matière diplomatique. Tout pays hein, et puis moment que nous pouvoir légitimement dans le pays, avec un parlement légitimement qui a fonctionné et que on a gardé drapeau haïtien, un simple dominicain prend la brûler et on fait image ça vient joindre nous pour frustrer nous en tant que peuple. Plusieurs autres images arrivent joindre nous, si haïtien a blagué dans le canal, si haïtien a tué en République dominicaine, universitaire qui gagne de papiers légaux dans le pays, il a retourné dans le pays sous prétexte que c'est mon illégal. Face à l'action violente dominicain contre haïtien qui révoltant, président commission affaires étrangères Sénat a mandé président haïtien à ministre Affaires étrangères pour réagir. J'ai demandé président Jovenel qui a responsabilité pour mener reine diplomatie, faut nous tendre parce que c'est premier citoyen nation, les situations de dérive ça yo, pays en vle tendre voile pour dire ça le passé. Haïtien pas qu'accepter, vous n'avez subi ça dans mes dominicains. Dans sens ça pendant que m'a tendre réponse président qui doit un discours solennel adressé à peuple en matière diplomatique, n'a tendre ministre affaires étrangères là pour réagir. Déjà, sénateur Cassinenel dénoncé saluer les silences complices autorités haïtiennes yo sous mauvais traitement haïtien yo continue victime. Caille voisin, sénateur Nippel a critiqué tout comportement passif. Dirigeant dominicain. Nous condamnons le comportement toutes les autorités en tant que pays. Quelque part, l'offre un comportement autorité haïtienne, nous gardons silence pour nous-mêmes, un silence qui complice. L'offre un comportement autorité dominicaine, nous laissons aller. Pour exprimer colère contre façon dominicaine, abtoué haïtien, craser, briser bien, et puis torturer, pour voir tourner en Haïti après un pile humiliation, sénateur Révalère Beauplan annoncé organisation du match pacifique dans Port-au-Prince pour dire non, déjà aliment des soutiens. Organisation d'Amonio, parti politique yo ak société civile là. Déjà réveillé tout parti politique, tout organisme droit de l'homme, tout l'autre monde que ça concernait, dans jour qu'a fini à travers la presse n'a bay date là pour faut grande mobilisation pour nous dire que faut gain respect qui vient joindre nous par rapport à la République dominicaine parce que nous sommes pays avant tout. Accord commercial yo ka fait que la République dominicaine vend nous national mais nous pas les dominicains, nous c'est haïtiens, nous pas tout monde qui était avec la République dominicaine, n'importe citoyen République dominicaine pas qu'a choisi pour le faire salver avec peuple haïtien. Winchel Adrien Caraïbe FM. Merci Wenchel Adrien. Bon, et je vais faire pays à nous-mêmes. On prend des choses sérieux. Oui. Je vais faire moi. Chaque monde a brigé à faire pas pour le pays là, dans quel pays. Ah ça. Des petits monde mourir dans quartier Haïti dans cité soleil à cause de la pluie qui est tombée mercredi soir. Habitants dans commune ça m'ont des secours instance l'état yo pour nettoyer canal yo pour éviter inondation. Explication habitants dans quartier ça, Vanel Paul, dans micro collaborateur nous Jean-Georges Blaise. Des petits mouns qui est soit qui mourit dans vaille, l'an mai qui passait, dans le cas mouns qui nous décrivent des petits mouns qui ont avec des petits mouns qui a l'air de 12 ans. Et des petits mouns qui ont été mouns qui étaient dehors pendant de l'eau à descendre, de l'eau à aboutir à l'ensemble avec Fatra. C'est un petit fille, un petit garçon qui tape bien dans la pluie. Pendant que ce canal la tape descendre, de l'eau à tout passer, il prend, quitte canal, il voit, parce que canal, il voit plein. Et qu'on a de l'eau à passer, il prend des petits mouns avec eux. Pas de mouns là? Non, nous pas de mouns. Nan moment ou petit moun yo te pou tare dans sauver petit moun yo c'est ça après pendant nous pendant nous pas petit moun pa wè petit moun yo pou nan la nous même nan travail nan fait comme organisation dans commune nan nous di ban nous font virer dans commune dans zone nan pour nous ki jan moun yo avec l'eau tout ça les arrivé nous tombé sous dépend petit moun yo ka prendre en main qui de l'eau et beauté petit moun yo le ben cadavre yo et yo jeune cadavre petit moun yo jeune cadavre petit moun yo parce que député a te vinn paraître aller bon côté de bien vinn paraître pour te prendre en charge et petit moun ça bon par contre pour ça présent salva avec yo et s'il bon gars qui mettre dans mort pour fanter mort bon pas connait qui ça lui même dit va avec yo mais n'a attiré l'état n'a pas tiré et attention l'état sous ça qui passe dans commune c'est spécialement ta public avec CND même pas CND qui dans commune non pour Fatra plein canal depuis passé 7 ans quand il veut pleut pas jamais grand monde qui passer maintenant canal yo me trouver ça son bagage qui insultant pour population c'est celui là. Et n'a demandé avec ta public font coup de jet sur canal c'est soleil passé il pas bon situation pas bon gens peuple c'est là vivre là c'est Haïti qui inonde là qui l'autre quartier encore et nous gagne trois bébés nous gagne Haïti nous gagne Bosson nous gagne Bois Neuf nous gagne Cogeleto nous gagne deuxième cité
Et troisième, c'est lumière qui est vraiment zone de catastrophique. Dans le moment même, je parle là, zone ça va pas en zone qui est bon. Parce que la boue, Fatra, bien toute zone, toute commune, même la mairie, pas du dépasser la mairie. Ministre Planification et Coopération externe, Viol Fleurante, et devant commission enquête spéciale, Sénat de République. Ministre qui estime qu'il n'y a pas rien pour l'utilisation de l'agent Petro-Caribé, dit répond à l'invitation commission dans le cadre de l'édition contre ministre Aviol Fleurant, Namiko Enchel Adrien. Dans le cadre de leur attribution de contrôle de l'action gouvernementale, t'es invité comme ministre de la Planification de la Coopération externe pour me capable de parler du rôle du ministère de Planification dans la gestion des fonds Petro-Caribé. D'abord, on m'a dit que c'est dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une question de reddition de comptes, et en tant que ministre de la Planification de la Coopération externe, c'est un devoir pour moi-même, en tant que membre du gouvernement, pour me capable de parler du rôle ministère là. Parce que dans le cadre de cette enquête, un peu le monde qui était passé estimé que toute requête de décaissement était passée par le ministère de la Planification. Effectivement, le ministère de la Planification, selon la loi, lui jouait un contrôle d'opportunité des dépenses. Mais n'oubliez pas que ce sont des projets qui exécutaient sur la gestion des fonds Petro-Caribé. 2009-2015, je n'étais pas encore ministre de la Planification de la Coopération externe. Ça veut dire que cela ne me concerne pas. Mais j'ai un devoir de collaborer avec l'État pour que l'on puisse aboutir à des résultats d'enquête concrets dans un souci de reddition de comptes pour l'assainissement des finances publiques. Dans un souci de reddition de comptes, ça, monsieur le ministre, qui s'est constaté dans le ministère de Planification relatif avec le dossier Petro-Caribé? Qui s'est constaté? Moi-même, je suis capable de dire que je constate ça que moi-même, je fais, mais pas constater ça que tu as fait déjà. Ça que tu as fait déjà, c'est la Cour des comptes qui enquêtait sur eux pour est-ce que nous avons mérité des charges ou pas. Et c'est le Parlement qui finit après pour le faire ce qu'on appelle une analyse avec la commission bicamérale de décharge pour le bail. Mouno décharge ou pas, et c'est la commission spéciale qui va regarder est-ce que ça qui dit yo, c'est ça, est-ce qu'il y a lieu de mettre l'action publique en mouvement contre qui, contre telle firme, telle autorité contractante, tel ordonnateur national, et bien c'est ce qui se fait. La police mène une grosse opération matin hier jeudi dans la zone Champ de Maslan. Une initiative DDO, la police nationale, que des policiers ont vérifié pièces d'identité avec papier chauffeur taxi moto, dans l'idée pour mettre la population en plus en confiance, particulièrement dans la période de vacances là, Davidson Saint-Fort. Passé 30 minutes la fin midi. Circulation facile dans zone Chan Masla, ça qui est étonnant dans les SAR. D'ailleurs, panneau signalisation dans un gris capois à Kavni Mania pas fonctionné depuis quelque temps. Mais raison à pas prendre pour le venir, dans plusieurs coins dans zone Chan Masla, plusieurs backup la police a mené une opération. Vérifier papier, moun et véhicule. Zam gros calibre nan men yo, au moins une dizaine agents Udmo ak Boyd vin accompagner collègues dans police administrative là dans opération ça. Chaque carrefour en bas contrôle yon équipe, une façon pour bien cadrer circulation en si principal yo chauffeur ak passager qui derrière moto. Bon, papier moto vérification. Je garde la source point et puis après ça moi je vais normal comme ça on doit légal pour la police. On doit informer sur papier et permis de conduire. On a la ria foko. Depuis quelques semaines, vacances estivales ont commencé, une période qui souvent facilite Zach Bandi à crime toute qualité. Direction départementale l'Ouest Police là qui voulait faire prévention dans sens ça, a cherché un plus bon contrôle chauffeur avec véhicule. Il y a petit visé. Ça m'a fait, c'est juste qu'on a gagné la face, juste pour mettre la population qui est une d'esprit, la police au plus de l'âge. Ok, donc mon opération consiste à vérifier pièces. Oui. Je fais moto pour que ça s'estime ça, non bien particulièrement. Parce que moto va poser non plus tort que bien. Donc nous vérifions l'identité au seulement ou bien si moto est légal. Oui, tout bagage. Chan Masla, yon na espace qui pi fréquenté dans toute zone métropolitaine. Moun à pied, machine avec motocyclette pas manqué. Opération agent policier semble joindre l'approbation population. N'est pas différent pour chauffeur moto qui finit sibi. Vérification avec fouille. Son bagage est normal, son fait normal comme nous citoyens du pays. Debout légal. C'est normal où il y a bien de travail, ça est important. Debout par un illégal. Donc, ou illégal de toute façon. Mais ça fait que l'aime ou un ça pas fait mal parce que les bouban règles, c'est quoi encore? C'est tout espace sensible dans la zone métropolitaine qui a touché dans le cas d'opération ça, DDO a lancé d'après commissaire Fred Joseph. Responsable police a encouragé chauffeur taxi au marché avec pièces légales valides sur eux. Bandi yo même ta pi raisonnable si vous cherchez joignon l'autre travail yo fait pendant la période de vacances là.
Davidson Saint-Fort, Caraïbes FM. Merci Davidson Saint-Fort. Marche pacifique pour dénoncer insécurité sous toute forme dans le pays. C'est ça, collectif 4 décembre annoncé pour journée 28 juillet. Il n'est pas fait encore. Décision pour reporter match ça prend à cause de la police t'a mandé organisateur yo pour signer un formulaire engagement pour responsable tout dérapage qui t'a arrivé pendant match ça. Organisateur dit yo gen information gen moun qui apparaît pour infiltrer match là pour créer des ordres et puis faire yo côté chaille là. C'est le Robert Argan qui s'est coordonnateur collectif 4 décembre. L'étape expliqué dans micro Pierre Renel René. Nous tenons à informer l'ensemble de nos compatriotes qui avaient décidé à participer massivement à cette marche, qu'en raison de certaines informations qui nous sont parvenues sur des risques ou possibilités de filtration de la marche, et surtout vu le refus évident de la police nationale d'Haïti d'assurer pleinement non seulement son rôle de protection des manifestants, mais aussi son rôle de sécurisation contre tout dérapage et ou casse. Vu la requête exprimée dans un formulaire d'engagement pour le moins illégal de la PNH qui nous obligerait, nous, organisateurs de la société civile, citoyens haïtiens, qui nous obligerait en tant qu'organisateurs de cette marche pacifique, gagné RNDDH, réseau national qui a pas défendu Amoun, à diverses autres organisations, déposé une proposition de loi sous protection Timoun qui est en danger dans la société. Podophilie, ouais, ah, guerrier là, m'font fly. C'est moi qui l'ai fly. C'est pédophilie. Excusez-moi, font fly. Ça, on fly volontaire. Et, André tourne encore, pédophilie, grossesse avant l'air, reste avec, drogue, avec l'autre encore. C'est ensemble phénomène qui a menacé la vie mineure, yo, dans le pays, Organisation défense douane, yo, souhaité attirer attention aux autorités concernées sous problème grave ça et puis encourager et prendre bonne disposition pour freiner phénomène ça dans la société à saluer les dépravations. Reportage à Patrice Salomon. Si c'est vrai, Timoun ak jen se avenir tout pays, en Haïti, catégorie sa yo pas toujours bénéficier attention ak encadrement yo mérité. Délinquance, drogue, alcool, absence intérêt pour l'école, débauche toute qualité, c'est ensemble phénomène qui a ravagé la jeunesse pays d'Haïti. Mettez sous ça, pratique reste avec kap bay problème, tout pisi, et puis viole droit timoun yo plis j'arrête. Devant situation sa yo, en pile secteur dans la société a pas suspendre levé voyou pour mander l'État jouer rôle li tout bon vrai, rempli conditions nécessaires pour encourager jeune yo faire l'autre choix. Réseau national kap défendre douamoun RNDDH, pas cacher préoccupation sous question, et puis déposer une proposition loi qui gagne awe ak protection mine qui en danger yo. Le document qui visait l'ouvriger autorité concernée yo sous condition la vie jeune yo dans pays d'Haïti. Dans document ça, RNDDH mandé l'État haïtien identifier et puis mettez bout dans toute activité, programme toute qualité qui gagne mauvaise conséquence sous éducation jeune yo, équilibre ak orientation yab bay tête yo. Puis loin, réseau national kap défendre loi moun nan kwetou, li important pour dirigeant yo contrôler et puis interdit yo passer dans radio ak dans télévision toute qualité musique, vidéo à quelle qu'elle soit image qui a caractère pornographie, zak violence ou sinon image pour dégrader moun. Directoire réseau a pas caché tout, réaction sous phénomène gravement grave, tifi kap campé sous trottoir la nuit pour vendre koyo pendant yo exposé à toute qualité zak violence ak abi. Pour RNDDH, défense génio et spécialement minéo, tourne journée jodi a yon urgence nationale. Le n'a considéré ensemble dérive kap fait dans domaine éducatif, social, moral et culturel. Dans le document proposition loi sous protection mineure en danger li déposé à RNDDH mandé autorité dans l'état yo prend gros sanctions contre tout grand monde qui a partagé même caille avec yon mineur qui a consommé drogue
alcool ou sinon n'importe quel autre produit toxique. D'après document ça, individu majeur vient coupable dans l'activité de débauche ça. Document rappelé tout, pouvoir l'État a gagné pour le kembe au miné et puis placer le sous compte Institut Bien-être Social et Recherche, IBERS, si toutefois, parole ou sinon titel légal li, parmi remplit des voies responsables comme ça doit. Et une proposition loi comme ça, qui s'al gagné comme valet dans Jésus Tobreo. Est-ce que l'État haïtien, ensemble avec tout l'autre acteur qui travaille dans le secteur protection jeune et miné dans le pays d'Haïti, pas ta doué penché sous lit? Patrice Salomon, Caraïbe FM. Merci en pile Patrice Salomon, faculté ethnologie, sciences humaines avec l'école normale supérieure. C'est quelle quantité qui part dans le processus d'inscription. Conseil université a lancé semaine ça en cause gros crise qui gagne yo. Dans une pétition yo aussi, un groupe étudiant faculté ethnologie mandé responsable yo prend disposition pour l'ouvrir faculté yo. Et puis prend disposition tout pour kembe stabilité dans diverses facultés yo. Michel Joseph te visite espace ça yo. Devant local faculté ethnologie, même si étudiants qui se gros clients rats en pile, ça pas empêché quelques petits machins rester fidèles au rendez-vous. Dans l'entrée, pas de ni gardien ni agent sécurité sous la cour même qu'à cascade véhicules qui boulaient rappeler gros tension journée 12 juin 2017 là. Yon poubelle cap débordé avec fatra a servi pour décoration. N'a que coin des trois étudiants à discuter. Comment faculté ethnologie y est depuis plus passé un mois? Saint-Louis Mackinson a répondu. Nous-mêmes étudiants, nous toujours venons dans l'espace là, nous organiser conférences, débats, nous inviter professeurs, une façon pour nous cacquer la vie dans l'espace là, une façon pour nous débattre sur l'avenir faculté entre étudiants, constituer nous en force de pression pour forcer dirigeants qui ont comme responsabilité veiller sur bonne marche chaque entité dans l'UEH là pour empêcher l'entité ça même river et fermé. Et j'en ai même souhaité. Yon local abandonné, porte qui enchaîné, dans espace ça, déchet toute qualité a fait la loi. Dans faculté d'ethnologie depuis 12 juin passé, a pas gagné aucun signe la vie, après gros incident qui était metté face à face, doyen, avec un groupe étudiant faculté ça. Depuis là, ça, c'est mouvement protestation toute qualité pour réclamer justice en faveur étudiant John Walk Goudder. Saint-Jean Enoch a expliqué. Jodi a gagné évolution qui fait non niveau la justice parce que dossier à un moment on a parlé là, il quitté paquet de Port-au-Prince, il transféré dans cabinet d'instruction. Nous t'a capable dit c'est on pas dans bonne direction. Quelques jours après incident 12 juin, le conseil universitaire a un note et prend décision pour suspendre toute activité académique et administrative jusqu'à nouvel ordre. Semaine ça, c'est environ 150 étudiants qui signent pétition pour demander réouverture faculté ça. Parce que ethnologie comme patrimoine national pas qu'à fermer. Et dans pétition ça, nous avons gagné deux principales propositions. Premièrement, qui c'est mettre bloc à l'écart de toute activité académique, administrative, politique, faculté et même université. Et deuxième proposition, qui c'est mettre en place un conseil transitoire ou dimension commission qui pourrait gagner pour mission boucler l'année académique qui a commencé déjà, organiser concours d'admission qui a gagné pour fête et organiser élection. Tout qui va le naissance avec le nouveau conseil des canals pour 4 prochaines années qui vont venir. Trois facultés dans l'université de l'État qui ferment, une situation qui bat gros qui est cassé, mais qui semblait pas trop déranger les dirigeants de l'université qui en même temps pas prend aucune disposition pour mettre un bout dans la crise là. Inscription pour concours admission IEH là pour année académique 2017-2018 lancé 21 juillet passé à 103 entités SAIO. Michel Joseph Caraïbe FM. Merci un peu Michel Joseph. Tout à l'heure, on a fait virer en ville provinciale et après, on a bien parlé avec Jean-Marie Arcule, qui est même consultant réglementé en immigration canadienne. On a parlé de plusieurs sujets qui a intéressé un peu le monde sur le Stosilayo, qui a sorti Brésil pour aller Chili et qu'on a tous différents programmes qui gagnent nos affaires immigration, c'est d'accord dire comme ça, pour Canada. On a fait ça tout à l'heure. Mais bonne fini avec Jean-Georges Blaise, puisque gagne Confédération national paysan qui n'agriculture qui exprimait préoccupation yo après ravage cyclone à qui nous relation fait dans plantation yo compas souhaité caravane exécutif la lancé en aller dans avantage renforcement production agricole Jean-Georges Blaise. Nous ouais caravane dans quelques départements pour qu'on y ait mais nous pouvons sentir paysan yo touché vous. Truman Aspiller comme coordinateur général Confédération nationale paysan agricole qui est dans jouet li compas semblait pour qu'on connaisse sa cap fait pour chercher remembrer secteur agriculture qui dépend
pris un gros frappe après dernier passage ouragan Mathieu sous pays, malgré lancement caravane changement qui bouquait faire un pile marcheur gonflé sous terrain, côté divers secteurs très critiques face à l'initiative chef l'État, leader compare, dit pour qu'on est clair, non plus. Tout le monde aspire à expliquer pour qui ça. C'est pas dans plein seulement, agriculture faite, il fait dans le monde tout. Il connaît ça très bien, paysan comme ça, Abdullah là. C'est pour toucher le monde tout. Deuxième bagarre nous dit, caravane n'a manqué expliquer, chita avec organisation paysan yo, pour expliquer yo, qui sa caravane n'a eu, qui sa donne, qui sa le poté pour agriculture, pour paysan yo. Malgré tout, leader compare, dit qu'il n'y a pas de problème avec démarche président de la République là. Cependant, d'après lui, il faut que tout paysan soit impliqué dans sa fête là. Nous parlons de dans tous 10 départements. Pour nous fournir, j'ai gardé, j'étais avec l'organisation, j'étais avec les paysans. Pour nous, est-ce que les paysans ont touché vrai des caravanes qui profitent de la caravane pour eux, qui j'ai eu des caravanes. Si les caravanes allaient au profit des paysans, les paysans participent là-dedans vrai, pour nous, c'est une première organisation encore qui a tourné là pour nous venir battre bravo au président. En cas de secteur, c'est le plus bon moyen pour chercher les membres de l'agriculture, d'après tout le monde Aspiller, qui a dit que ce que tu as fait pour les paysans, qui continue à faire avec Boudzon. Les paysans n'ont pas vivre seulement avec l'agriculture. C'est pour chercher l'autre encadrement pour les paysans autour. En attendant, par exemple, chercher prêt pour prêter les paysans. Parce que dans les paysans, il y a une série de marchands. Là, ils vont faire un agricole là, ils descendent vite vendre. Mais pendant tant tout, il y a un autre business qu'ils ont fait avant l'agricole là bon, pour venir dans le marché, pour venir vendre. Et puis, les paysans autour, ils ont besoin de tout. Un bon genre de santé, tout. Centre de santé, l'école pour les gens. On va faire l'autre bagage encore pour les paysans. En plus, paysans qui deviennent bons gens encadrement, t'as de gain l'autre disposition selon l'autre secteur qui ouais nécessité tout pour ta renforcer budget agriculture qui ouais par ouais. D'après un pile l'autre monde, était une petit bon outil pour mettre pays à sous rail développement. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile Jean-Georges Blaise et sans transition. Bon, on allez, Jérémy, dans Viré Gonon chaque matin pour qu'on ait comment ville provinciaux réveillée. Franquel Maginaire, bonjour. Et derrière, Bob, c'est bonjour, fidèle auditeur, auditrice, Caraïbes FM, qui connecte le journal là à travers Radio Orbit FM, Terra FM, Lambi FM, et bonjour et bonne écoute. Information, hein, c'est député circonscription Pestel, là, monsieur Ronald Etienne, qui partageait à l'autorité électorale, exécutif là, une solution de sagesse par rapport à démarche pour que vous mettez campé, city étatique, et même collectivité, pour que vous fassiez un retrait sur toute avancée, créer conditions pour permettre l'intégration de l'autre cadre dans la question, hein, juste pour décentralisation, en fait, en bonne et due forme, et sous base compétences, et de façon pour que les gens qui doivent faire partie des conseils, soit départemental ou interdépartemental, aient une capacité pour que ils réduisent sur le plan budgétaire. Moi, j'invite aussi une expert. Là, où est-ce qu'il y a des représentants des sections communales, provinces, qui pas gain assez de science, qui pas gain assez de science et de connaissance, qui parle en tant qu'ancien interdépartemental, qui parle bien, qui est membre là-dedans, un membre par département. Que moi-même, moi, j'ai été accompagné des responsables de mon parti, le consortium, nous visitons et nous faisons débat avec elle, et nous montrer que pour sauver la nation, comme il a déjà fait, comprenez? Pour nous retourner sous décision tard. Et penser que c'est de bon droit que nous-mêmes, tout le monde allons dans le Sénat, nous faisons débat au Sénat. Ouais, que Bagayo, c'est vrai, son point de droit, nous-mêmes, nous attaquons, nous sommes une résolution. On peut espérer que, il y a respecté, que, non, on a bien respecté la décision président du président de la République. En façon, pour rectifier. Parce que, on va rentrer dans le même cas d'acné qui besoin d'écraser, qui besoin que l'élection assemblée ou pas, en fait. Pour eux qui besoin d'attaquer la constitution dans son fondamental, nous pas dans la ligne ça. Pour eux, mais nous dans la ligne que nous besoin de rectification faite très rapidement. Et que nous venons au modus operandi. À rappeler, Samuel Pestel, pas de représentant, yo, la niveau et délégué de ville, la carte d'élection qui t'est passée. Merci, Gary, Bob C, déjà bon week-end.
Mais merci en pile Franck Elmajuna, hein, très précis matin. Hein. Ben nous aller Koulia retrouver Anel Joseph, correspondant permanent nous dans Tigouave qui prend le banon. Dernière information concernant les zones si là n'a pas arrivé joindre Anel Joseph. Anel, bonjour. Bonjour Gary, bonjour Bob, bonjour tout auditeur, auditrice radio Caraïbes. Donc, il y a eu un cas d'exemple avec Alié Rantigouave qui s'est monté pour ne pas mourir dans le film. C'est dans ce sens-là, il y a eu la guerre et il y a lancé 10 jours de manifestation, semaine qui a venu là, pour exiger l'intégration dans l'administration publique. Là. Mais quand ça y a eu, parce que son critique le comportement ingrat, le président Jovenel Moïse Ragnou, d'après ça, il a dit, c'est grâce avec vigilance qui fait bon an, pas de pour non, non, mais Jovenel Moïse, après 22 mois sur les droits, le président PHPK avec Alié, il dit, je sais, c'est bien qu'on a déclaré la guerre. Et puis, tout ce qu'on a pas aussi sur le droit, c'est intégré l'administration publique, hein, alors que l'homme d'avocat a dit, il est obligé de rester sur le droit. Dans ce sens-là, je souhaite demander qui n'est pas trop loin pour le président Jovenel Moïse pour prendre en considération les militants PHTK. Les militants PHTK, pendant 22 mois, nous avons occupé son magasin de janvier, 5 mois, quelques jours. Tout le monde qui était dans le regard de la présidente, en fait, personnel, nous avons demandé pour nous intégrer l'administration publique. Nous connaissons à partir des discours président Jovenel et c'est la campagne. Ça veut dire que le pape est été. Nous même c'est pas dans nos gardes pour nous être des monde qui était capable face nous à examen dans mes pour fondre nous l'en d'appel politique ou d'en d'appel campagne pour président Jovenel. Je me dis à ce que nous sommes intégrés dans notre job l'État. Nous même dans la politique, nous même nous les voies nous passer pour que le président Jovenel tandis que nous avons été dans le bâtiment de l'Église. Mais jusqu'à ce que je dis à la, nous avons gagné dans le sommet de la prison, c'est besoin et il va en garder. C'est vraiment un exil. C'est pas ça que c'est pour même présent avec nous. Ça veut dire que le président, c'est nous même c'est base populaire. Le monde qui pas travaillé. C'est le monde qui a galonné. Et c'est le monde qui a fait le travail par rapport à passé. Nous disons que le nouveau, mais ça est clair. Ça nous est là, c'est comme ça. Si nous ne pas toujours continuer par la lien, si le monde qui crie, c'est l'île de ZTT, nous crions pour maman, nous, papa, nous, nous manger. Donc si nous ne nous manger, nous continuons à crier toujours jusqu'à ce que nous avons satisfait les revendications. Parce que nous disons que nous ne sommes pas capables encore. Parce que la rivière est en train de population. Deux semaines de manifestation, puis loin de faire le président Jovenel Moïse songer le mouvement qui peut être dirigé dans le palais national, capable de chavirer contre lui, si toutefois il passe par ses fins militants. Et puis, il dit, oui, j'étais avec lui, mais on délai qui n'est pas trop loin pour éviter d'être détruite. Joseph Anel, qui doit avoir carrément fait. Ok, pardon, oui, dans le département sud avec Jean-Nazaire Gentil. Nazaire, bonjour. Bonjour, Gary. Bonjour, bonjour, tous les auditeurs Caraïbes FM, qui suivent Jean-Nazaire, surtout son antenne Lobert FM à Haïti, plus sans Haïtien, leadership à Haïti, l'ancien formation pour jeunes femmes à garçons dans le département sud-là. C'est pendant trois jours que les formations sont même organisées pour orienter les jeunes taillots. Plus capable de connaître comment, plus capable de faire recherche, innover. La question leadership, d'après ça, c'est responsable Fonds haïtien pour leadership à l'excellence-là, M. Johnny Célestin, et déclaré qu'il a orienté les jeunes pour connaître qui meilleure façon eux-mêmes sont capables de vivre et permettre de vivre sortir dans la société. Et on boute la déclaration, M. Johnny Célestin. Je dis que nous devons commencer ces jeunes à comprendre. Que nous-mêmes déjà nous gagnons, ça nous relie ressources avec atouts qui attaquent. Parce que nous-mêmes, nous utilisons un modèle qui s'est commencé à s'en gagner pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, pour ces trois premiers jours, nous parlons de qui ça pour gagner, qui sont capables d'agir sur eux. Et nous parlons également du leadership. Pour qui ça nous parle de leadership, c'est parce que nous croyons que les jeunes et tout le monde dit que les jeunes étaient. Déclaration, M. Johnny Célestin, plusieurs jeunes qui participent en deux formations, ça a exprimé satisfaction pour bon genre, formation, orientation, qui va aider en deux sociétés. Parallèlement, car Vantage va entrer dans ce qui est officiellement dans le sud, journée vendredi 28 juillet 2017, là, le président de la République, là, qui doit vivre l'initiative ça officiellement dans la localité Cartiel, d'après un spot particulier à travers la ville de Caille, et information qui ouvre dans la presse, et dans une ville, Caravana s'est lancé officiellement le 1er juillet, s'est lancé tout 6 juillet et doit relancer le 28 juillet, jeudi à même. Donc, c'est le président de la République qui doit lancer Caravana. Et je dis, et dans la localité Castel, j'ai entendu là, d'après un fort qui a articulé, côté que, il y a demandé la population pour venir dans les présidents, lui-même, qui est pour faire dire, et venir participer dans chaque point à l'action
mouvement caravane, exactement dit là. Jeudi, vendredi 28 juillet 2017, là, il y a un petit morceau rapidement dans sa qui en fort temps, qui a parlé de population pour venir participer dans le lancement caravane, jeudi en même. Gentil, d'après les Saint-Marc. Franz Augustin, bonjour. Bonjour, guerrier. Information à Benin, nous, dans la commune de Saline. Commune Saha est qui délabrée sans infrastructure. Alors que les a de bonnes potentialités ou encore de bonnes ressources, à savoir sel et pêche, et qui produit en pile du riz. Population commune Saha n'a pas caché indignation li, devant situation qui révoltant. Indigné face à mépris président républicain Jovenel Moïse. Qui te baye espoir bagay yo tap miyo. Et pour rappel, nan visite li te fè nan commune Saha pendant mobilisation caravane changement sous la Tibonite, président Jovenel Moïse qui te constaté bagay yo pas bon, te même promettre pour décréter état d'urgence sous commune Grand Saline. Jusqu'à présent, rien pas dit à environ un mois depuis démobilisation caravane nan sous la Tibonite. Problème yo en pile nan commune Grand Saline. Même autorité locale yo pa wè ki route pou yo passer pour faire face à situation à cause yo pa jwenn un encadrement bon côté pouvoir central. Kléber Guillaume, yon citoyen avisé petite terre Grand Saline a plein de problèmes yo bay autorité yo. Caravane nan Grand Saline, donc route a commencé. Il était dans route. Alors que président c'est même plein décrété état d'urgence pour Grand Saline. Ça pas fait, nous pas gagné électricité. Il y a quelques poteaux qui plantaient depuis bien des années. Donc en pour pas lui mais donc c'est des autres net d'une façon généralisée. Et route a vu quoi pas fait. Alors que Grand Saline c'est une commune n'est-ce pas, qui fait tuer. Donc, pas de moyens pour l'école là transporter comme ça doit. Et d'autant plus, nous gagnons d'autres ressources, c'est nous qui pas en valeur. Nous gagnons des plages, la mer là qui pas en valeur. Notre vision est gagnée pour la commune de Saline. Yon groupe citoyen a cherché réunir toutes ressources humaines communes, quel que soit à côté à vivre. Yon coquin rassemblement annoncé pour samedi 29 juillet pour dire non, Grand Saline va périr d'après Kléber Guillaume, yon nan initiateur yo. L'idée, c'est remettre, c'est mettre campé yon organisation diam pour travail ou encore défendre intérêt commun Grand Saline. Mais au moment côté, même magistrat yo, qui pas dans ses collègues, yon ak l'autre, abandonné mairien et magistrat titulaire Amilcar Cosmeus dit absence li nan mairien c'est parce que route qui menait nan mairien impraticable d'après ça qui dit François Augustin Saint-Marc Caraïbes FM. Merci en pile Franz Augustin nous pour aller avec Rock Jovens Clavel. Rock bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Bob. Nous avons confiance en tout la presse. Doyen AI, tribunal primaire instance Pont-de-Pin, maintenant Max Wilbert José, délit occupé en pile après quatrième semaine grève greffier à Icheo qui paralyse le tribunal là, qui paralyse le fonctionnement de la justice dans le département.